السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في أحكام الصيام، سائلين الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد. وقبل الشروع في المقصود، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يكرمنا بهذه المجالس التي بها حياة القلوب والأبدان وسعادة الأرواح، بحمد الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذا الزمان الذي قل من يعظم هذه المجالس ويتفرغ لها. Avant de commencer le cours, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous accorde ses assises. Ces assises dans lesquelles il y a la vie des cœurs, la joie de l'âme, le repos de l'esprit et du corps. Ces assises par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala élève en degré, allège en péché et pardonne beaucoup tabaraka wa ta'ala. Ces assises qui font partie des assises du paradis, ou plutôt des jardins du paradis, ces assises dans lesquelles on apprend à connaître Allah tabaraka wa ta'ala, notre créateur, afin de l'adorer d'un culte sincère. Ces assises dans lesquelles on apprend à connaître l'islam afin de le mettre en pratique. Ces assises dans lesquelles nous apprenons à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'il nous faut suivre afin d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun chemin ne mène à son agrément si ce n'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé de nombreux cœurs vers ses assises me réjouit d'autant plus, car cela nous montre le khayr qu'il y a dans notre communauté et vers chez nous tout particulièrement. Y assiste le père, la personne âgée, y assiste l'enfant, y assiste le jeune homme, et certains viennent avec leur mère, sœur et épouse. Falhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata li talib al-'ilm ridan bima yasna. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جحر الماء. نعم. Le prophète alayhi salatu wa salam nous encourage à emprunter ce chemin, le chemin de la recherche et la demande de la science. En effet, elle nous dit, selon la traduction, celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et certes, les anges baissent leurs ailes en signe d'humilité au-dessus de l'étudiant, celui qui recherche la science, en signe d'agrément devant ce qu'il est en train d'entreprendre. Et certes, toute chose dans les cieux et sur la terre demande à Allah de pardonner aux savants, même le poisson dans l'eau. Même le poisson dans l'eau. Donc ceci est un fadl azim. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous choisisse et nous facilite ce genre d'assises
C'est un ikram, c'est un honneur qu'Allah Azza wa Jal nous fait. Et ça n'est pas parce qu'on le mérite. Fadlan min Allah wa rahmah. Mais ça n'est qu'une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal et une miséricorde qu'il nous a accordée, par laquelle il nous a comblés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque nous assistons à une assise semblable, nada munadi, yunadi munadi, an qumu maghfuran lakum. Lorsqu'une personne assiste à une assise de science, une assise de rappel, lorsque ceci se termine, lorsque celle-ci se termine, un héros appelle et dit qumu maghfuran lakum, levez-vous, on vous a pardonné vos péchés. وَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ. Et on a transformé tous vos péchés en hasanat, en bonnes actions. Subhanallah. Tu assistes à une assise de science. Lorsque tu te lèves, on te dit, ou lorsque tu t'apprêtes à partir, on te dit, levez-vous. On vous a pardonné vos péchés. On vous a pardonné vos péchés. Et changez vos péchés en bonnes actions. Subhanallah. Dans une assise. Ça n'est pas la rétribution propre à celui qui fait talibul ilm toute sa vie. Ça n'est pas propre au savant. Ça n'est pas propre à celui qui a fini la mémorisation de tel livre ou l'étude de tel livre ou du Coran. Là, c'est pour celui qui assiste à une assise de science. Fama akrama rabbana. Ô combien est généreux notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mais où sont ceux qui ont connu la valeur de ces assises? Où sont ceux qui prennent leur provision dans ces assises? Où sont ceux qui observent le comportement adéquat dans ces assises? Où sont ceux qui recherchent cette science à la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement, puis qui transmettent cela à ceux qu'ils ont laissés derrière eux? Na'am, hada muhimmun jiddan. Et les mérites sont très nombreux. Les mérites sont très nombreux. Et pour finir, un hadith de Mu'adha. Nassé, j'ai oublié le nom du sahabi. Il est venu auprès d'un groupe de compagnons et a dit, il leur a dit, ma ajlasakou, il est venu auprès d'un groupe de musulmans. Ceci était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu des gens réunis comme vous, na'am, dans le masjid. Il est sorti vers eux et il leur a posé cette question, ma ajlasakou, pourquoi est-ce que vous êtes réunis ainsi? Ils ont dit, nous sommes réunis pour nous rappeler le bienfait d'Allah sur nous et le fait qu'il nous ait comblé de ses bienfaits, guidé à l'islam. Et ils ont dit des choses. Alors le sahabi, j'avais pour souvenir que c'est Muawiyah, mais j'ai un doute. Qu'est-ce que se souvient le sahabi de ce hadith? Andaman. Khayr. Il leur a dit, Allahumma ajlasakum illa hada. Il leur a dit, jurez par Allah que c'est la seule cause qui vous a unis. Ils ont dit, Allahumma ajlasana illa hada. C'est une question. C'est une question. Jurez par Allah que c'est ça la raison. Ils ont juré par Allah, c'est ça la raison. Par Allah, c'est ça la raison. Puis il leur a dit, Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sachez que je ne vous ai pas fait jurer car je doutais de vous. Walakinna رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلينا ونحن مجتمعون في المسجد فقال لنا ما أجلسكم قلنا جلسنا نذكر الله ونتذكر ما أنعم الله علينا من نعمة الإسلام وعدوا أشياء فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le sahabi, leur a raconté pourquoi est-ce qu'il les a fait jurer.
Il leur a dit, à notre époque, nous étions assis comme vous au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a vus, il est sorti vers la mosquée. Il nous a dit, pourquoi est-ce que vous êtes unis ainsi? Ils ont répondu, nous sommes réunis pour parler, nous rappeler les bienfaits d'Allah sur nous, du fait qu'il nous a guidés à l'islam. Et ils citaient les bienfaits d'Allah sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, par Allah, rien ne vous a réunis si ce n'est cela. Ils ont dit, par Allah, rien ne nous a unis si ce n'est cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sachez que je ne vous ai pas fait jurer car j'ai douté de vous. C'est-à-dire, je ne mets pas votre parole en doute. Lorsque je vous ai fait jurer, il y a une sagesse derrière. Quelle est cette sagesse? قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا جبريل m'est venu وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. جبريل m'est venu et m'a informé de votre cas. Il m'a dit qu'Allah se vante de vous auprès des anges. Subhanallah. Pourquoi? Car ils se sont assis, car ils se rappellent le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. فهذا فضل عظيم وإكرام بليغ. نعم. Ça c'est un c'est un honneur immense qu'Allah Azza wa Jal te fait, t'accorde en te permettant de venir dans une assise. Lorsque tu te déplaces pour étudier, ça n'est pas par ta force, ton intelligence, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis dans ton cœur l'amour de cette chose-là. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'entre nous n'aurait pu faire l'effort. Anta aqil, tu as la raison. Ou anta qadir, tu as la capacité. Allah t'a donné le libre arbitre. Mais at tawfiq ou aziz. Mais d'obtenir la réussite pour faire le bien, pour délaisser le mal, c'est une chose qui n'est pas simple. Seul Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur la réussite. C'est lui donc qui voit du bien. Fali ahmadillah. Faman wajada khayran, fali ahmadillah. Donc celui qui trouve du bien, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir permis une assise dans laquelle vous venez d'entendre un tout petit peu de ses mérites. Peut-être qu'ainsi Allah subhanahu wa ta'ala te préservera ce bienfait et l'augmentera sur toi. Car il nous fait cette promesse dans le Coran en disant, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, assurément je vous ajouterai de mon bienfait. Je vous ajouterai de mon bienfait. Tu as un bien, tu l'aimes, tu veux le garder, ihmadillah. Remercie Allah Azza wa Jal pour ce bienfait, il te le préservera. Il te le préservera. Et si vous êtes ingrat, certes mon châtiment est douloureux. ماذا رأينا بالأمس؟ كابونو اتدي إيه عند من؟ On est rentré dans le chapitre de الصيام. نعم. ما معنى الصيام لغة؟ Le sens du mot الصيام dans la langue arabe. الإمساك, c'est la retenue. Est-ce que tu te souviens d'une preuve? Dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Indaman. Indaman. Personne mémorise Surat Maryam? Une personne? On organise des cours de Coran. On organise des cours de Coran. La khayra fina. Il n'y a pas de bien chez nous. Il n'y a pas de bien en nous. Idha lam nahtam bil Coran. Si on n'accorde pas d'importance au Coran. Tilawatan. La lecture. Tajwidan. En fait de avoir la science pour le psalmodier. Hivvan. Tadabburan. Ta'liman. Tamassukan amalan bih. Il n'y a pas de bien et de baraka en nous si on n'accorde pas sa place au Coran. Si on ne lit pas le Coran. Si on ne médite pas le Coran. Si on ne vit pas avec le Coran. Si on ne s'éduque pas avec le Coran. Si on ne met pas en pratique le Coran. Si on ne prend pas en amir le Coran. Subhanallah.
Al-ilm, c'est le Qur'an. Al-dalil, c'est le Qur'an. Celui qui vit éloigné du Qur'an, il vivra une vie pleine de gêne, pleine de soucis. Na'am. Il goûtera pas à la tranquillité du corps, ni à la tranquillité de l'esprit, ni au bonheur. Abadan. C'est muhim jiddan. Qu'on ait un lien avec le Qur'an. Tu lis régulièrement le Qur'an, tu mémorises un peu le Qur'an. Na'am. Waha nahnu قد اقتربنا من شهر رمضان إن سمخش جمود رمضان نسأل الله تبارك وتعالى يبلغنا إياه إن شاء الله تعالى نأتي بمن يصلح لهذا ونحفظ من القرآن ما استطعنا إن شاء الله تعالى بإذن الله ونمن غادي جان أبت nous enseigner le Coran, et on mémorisera inshallah ta'ala, on organisera des assises pour ceux qui veulent mémoriser na'am, avec at-tasmi' inshallah ta'ala juste avant Ramadan et au début de Ramadan jusqu'à ce qu'on parte en Umrah inshallah ta'ala, et durant l'année on organisera inshallah ta'ala aussi un dars du Coran na'am inshallah ta'ala, qu'Allah nous aide. On prendra un prof du Coran afin qu'il nous enseigne le Coran. Naam. Hada huwa. Adam, tahfad al-Quran ma'i. Tahfad al-Quran ma'i, inshallah. Je t'associe à moi dans ce khayr. On ramène un prof, on apprend avec lui le Coran. Inshallah. Khayr. Allah musta'an. Allah musta'an. قال الله سبحانه وتعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إني نذرت للرحمن صوما. ما معنى صوما في هذه الآية؟ أي إمساكا عن ماذا؟ نكمل الآية. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فما معنى إذن الصوم في هذه الآية؟ إمساكا. إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. هذا معنى الصوم لغة، الإمساك الكف عن الشيء. دونك الصيام dans la langue arabe c'est le fait de s'abstenir de faire une chose. C'est le fait de s'arrêter de faire une chose, de s'abstenir de faire une chose. Dans le verset dont le sens est j'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner. Ça c'est le mot as-siyam, as-sawm. Je ne parlerai donc à aucun être humain. Donc le sens du jeûne dans ce verset, c'est le sens linguistique. C'est le fait de s'abstenir. Et ici c'est le fait de s'abstenir de parler. Voici le sens du jeûne dans la langue arabe. Le fait de s'abstenir d'une chose, le fait d'arrêter de faire une chose. Barakallahu fikum. Amma siyamu shar'an. Et dans la religion, quel est le sens de as-siyam? Indaman. Man ya'rif? Tafadhal. Al-imsak wa'an al-ta'am. ذكرنا تعريفا جامعا أريد hier on a cité une définition précise, c'est celle que je veux. سؤالي حفظك الله تعريف الصيام شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. طيب، من جامع أهله في نهار رمضان صام؟ لا. طيب، أنت قلت من الطعام والشراب، ولعل هذا من الطعام عندك؟ لا، ولا عندنا. طيب،
Donc tu dis que le siyam, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire du lever du soleil jusqu'au coucher, ou plutôt de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah. Si on prend cette définition, on dira que celui qui a des rapports avec son épouse dans le jour de Ramadan, il jeûne quand même. Oui ou non? Non. Voyez. Sauf si tu fais rentrer cette action dans la nourriture, mais non. Donc, الصيام شرعا هو التعبد لله. C'est une adoration vouée à Allah. Naam. Min shakhsin makhsous. C'est une adoration qui est vouée à Allah par une personne particulière. Bil imsaki anil mufattirat. Qui consiste à s'abstenir de commettre tout ce qui peut annuler le jeûne. Min tulu'il fajr ila ghurubi ash-shams. طيب. Le jeûne, c'est une adoration. Le fait d'avoir dit ta'abudu lillah, ça exclut quoi? La personne qui jeûne, mais pour faire un régime, par exemple. Elle s'abstient de manger, de boire, et de tout ce qui coupe le jeûne, mais, et elle est dans le temps qu'il faut, mais elle fait ça pas pour adorer Allah. Pour perdre du poids, par exemple. Est-ce qu'on appelle ça siyam shar'an, religieusement parlant? Non. Celui qui est malade, celui qui. Taïb, wa ta'abudu lillah. Min shakhsin makhsous. Une personne particulière. Qui est cette personne particulière? Hein? La personne qui a réuni les conditions d'authenticité du jeûne. Taïb. Min shakhsin makhsous, min tulu'il fajr ila ghurubi ash-shams. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Celui qui jeûne et au dhahr, il dit j'ai faim et il mange. Est-ce qu'il a fait saum shar'an? Non, parce que le jeûne shar'i, il doit être du fajr jusqu'au maghrib, au minimum. Ensuite, nous avons vu les piliers du jeûne. Les piliers du jeûne. Combien le jeûne a de piliers? Combien de piliers repose le jeûne? Indaman. Indaman. Tafadbal. Al-imsak wa niyya. La retenue et l'intention. Qu'est-ce qu'il y a une preuve de cela? Qu'est-ce qu'il y a une preuve de cela? Anta mundu bidayati ad-dars lam tarfa yadak. Depuis le début, tu n'as pas levé ta main. Est-ce que tout va bien? Cela ne fait pas partie de tes habitudes. Tout va bien. Alhamdulillah. عند من؟ تفضل. الحديث القدسي. نعم. يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يضع طعامه وشرابه وشهوته الإمساك من أجل النية. Donc dans le hadith Qudusi, Allah nous dit, donc la traduction, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir. Ça c'est le premier pilier du jeûne, c'est al-imsak, la retenue. Min ajli, pour moi, ça c'est niyya, ça c'est l'intention. Pourquoi est-ce qu'il arrête tout ça? Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Hadith Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Naam. مثل هذا الحديث لا يذكر إلا بلغة العربية كلنا نحفظه ce hadith là on doit tous le dire en arabe. Il n'y a que le muet qui est excusé dans l'assise. نعم إنما الأعمال بالنيات. On doit tous le mémoriser. Celui qui ne mémorise pas, il mémorise pour la semaine prochaine.
Celui qui ne peut pas lire en arabe, il vient et j'enregistre dans ce qu'il veut. Le hadith, il le mémorise pour la semaine prochaine. Naam. C'est le premier hadith de Arba'in Nawiyah, c'est le premier hadith de Sahih Muslim et d'autres livres. Il est très très important. Très 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 important. Naam. Tayyib. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث les actions ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Qu'est-ce qui a rapporté ce hadith? Qu'est-ce qui a rapporté ce hadith? Naam. Pas le sahabi, le muhaddith qui les muhaddithoun qui l'ont rapporté. Il est dans quel recueil de hadith? نعم رواه مسلم والبخاري والبخاري نعم ceux qui sont loin ne répondez pas ceux qui sont loin ne répondez pas par pitié envers vos voix par rahma envers vous quand vous êtes loin vous répondez pas نعم بارك الله فيكم ensuite Nous avons vu Hukm Siyam Ramadan, Shahr Ramadan, le jugement du jeûne du mois de Ramadan. Le jugement du jeûne du mois de Ramadan. Hada ma'ruf lada al-jami' al-wujub. C'est une obligation. Et quelle est sa valeur dans l'islam? À quel point? C'est un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam, comme dans le hadith de qui? Dans le hadith Jibril. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Si dans le hadith Jibril, on tire du hadith Jibril que c'est un pilier, pourquoi est-ce que l'imam al-Nawawi a cité le troisième hadith alors? Donc, le hadith 2 du fils du premier sahabi du premier hadith. Abdullah ibn Omar. Le premier hadith d'Arman Nawiyah c'est Omar al-Khattab. Le deuxième c'est Omar al-Khattab. Le troisième c'est le fils d'Omar al-Khattab. Le quatrième c'est celui qui a le même prénom que le fils d'Omar al-Khattab. Le cinquième c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wadah? Tayyib. Mada bunya al-Islam ala khams. L'islam repose sur cinq. C'est-à-dire cinq piliers. Parmi les piliers, on nous a cité le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, il vous a été enjoint, ordonné le jeûne de Ramadan, tout comme il l'a été aux générations passées, afin que vous atteigniez la piété. Naam. Le hadith de Talha ibn Ubaydillah, c'est le hadith de la venue du Bédouin. Questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les jeûnes obligatoires. Il lui a répondu Ramadan. Jeûne obligatoire, il y a Ramadan. Il lui a dit, wa alayya ghayru, est-ce que je dois jeûner autre que ça? Il lui a dit, la illa tatatawwa, ou illa tatatawwa. Naam, ce hadith est rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim. Un point que j'ai oublié de citer Al-Bari hier. Naam. Al-Hikmah. Naam, la sagesse pour laquelle est légiféré As-Siyam. D'accord? Après l'obligation du jeûne, vous mettez la sagesse pour laquelle est légiféré le jeûne du mois de Ramadan. Yani le but, d'accord? Pas les mérites et les ainsi de suite, pas vraiment les sagesses, plutôt on dira le but. Naam, le but il est dans ce verset, la'allakum tattaqun. La'alla lit-ta'lil, yani afin que vous obteniez la piété. Pourquoi est-ce qu'on jeûne Ramadan? C'est quoi le but à atteindre? Naam, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quoi ici? C'est d'atteindre la piété. C'est d'atteindre la piété. Certains disent, on jeûne pour ressentir la faim comme les pauvres. C'est pas ça le but du jeûne. C'est pas ça le but du jeûne. Ça, c'est une des sagesses que tu obtiens en jeûnant. Tu te rappelles, les pauvres, et ainsi de suite. Tu fais plus de sadaqat parce que tu ressens ce qu'ils ressentent, eux, toute l'année, toi. Durant la journée seulement, et le soir, tu manges. Et le matin, tu manges. Mais le but, c'est quoi? C'est de devenir pieux. C'est de devenir pieux. Car à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La'allakum tattaqun » afin que vous atteigniez la piété. Celui qui délaisse durant ces heures-là des choses qui à la base lui sont mubah. Il délaisse quoi? Il délaisse la nourriture, il délaisse la boisson, il délaisse ses épouses.
D'accord? Ajoute à cela, si tu veux, al-hijama et d'autres points. Ces choses-là, à la base, c'est quoi leur jugement? C'est mubah, c'est permis. Donc, ils s'éduquent au délaissement de choses permises durant Nahar Ramadan. Puis, le soir, il peut y retourner. C'est clair? En s'éduquant à faire ça, il est bien plus fort dans le délaissement de ce qui est haram. Il est bien plus fort dans le délaissement de ce qui est haram durant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Vu qu'il a réussi, il réussit maintenant à délaisser les choses qui sont très habituelles pour lui et très régulières, malgré qu'elles soient licites. Que dire alors des choses muharram? Que dire alors des choses interdites? À plus forte raison, il a une quwwa, une force et une détermination pour les délaisser. Ainsi, as-siyam, c'est une madrasa. C'est une école. C'est une école de vie. Fi'lan. C'est une école de vie. Pas l'école qui te pervertit. Une école de vie. Une école qui te donne la vie. Qui t'apprend à délaisser le péché, à aller vers l'obéissance, à vivre avec le Coran et le Sunnah. À vivre avec le jama'a, le salat, le tarawih, l'écoute du Coran et ainsi de suite. Donc le but, si on vous demande quel est le but du jeûne de Ramadan, vous répondez la'allakum tattaqoun. Na'am, afin d'obtenir la piété. At-taqwa lughatan, at-taqwa, la piété, lughatan, al-wiqaya. Dans la langue arabe, at-taqwa, c'est al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est le fait de se prémunir d'une chose que tu crains, que tu redoutes. At-taqwa, la piété dans la langue arabe, ça vient du mot al-wiqaya, qui veut dire se prémunir d'une chose. Par exemple, il fait froid. Comment est-ce que tu vas mettre en pratique at-taqwa contre le froid? Naam, talbasma al-mi'taf, tu vas mettre un manteau. Tu marches sur le sol, si tu marches pieds nus dehors, ça va te faire mal. Comment est-ce que tu tattaqi al-ard? En mettant quoi? Al-hida, en mettant des chaussures. Ça c'est at-taqwa. C'est compris? Ça c'est le sens du mot at-taqwa dans la langue arabe, te prémunir d'une chose. Si on te met un coup, tattaqi avec ta main, tu te protèges par exemple avec ta main, le bouclier, avec ça tu te protèges de maza, de la flèche par exemple. Naam. Taïf, ça c'est le sens du mot at-taqwa dans la langue arabe. Amma at-taqwa shar'an, quant à la taqwa dans la religion d'Allah, c'est le fait de faire ce qu'Allah t'a commandé et de délaisser ce qu'il t'a interdit. C'est le fait de faire ce qu'Allah t'a commandé et de délaisser ce qu'il t'a interdit. Ça, c'est taqwa. D'accord? Un des pieux prédécesseurs, si je ne me trompe pas, Talq ibn Habib, a dit, les savants disent que c'est le meilleur ta'arif de taqwa, « An ta'amala ala nourin min Allah, tarju thawabah » وأن تجتنب معصية على نور من الله تخاف عقابه أن تطيع الله وأن تعبد الله على نور من الله ترجو ثوابه وأن تجتنب معصية على نور من الله تخاف عقابه. C'est le fait d'adorer Allah, de lui obéir avec une lumière émanant de lui, c'est-à-dire avec une, avec science, en espérant sa récompense. Et tu délaisses sa désobéissance avec science en craignant son châtiment. C'est ça, at-taqwa. Faire ce qu'Allah t'a commandé et délaisser ce qu'il t'a interdit. Voici le but du jeûne. Puis nous avons vu les différents jugements que peut avoir as-siyam. As-siyam, qad yakun wajiban. As-siyam peut être obligatoire. Dans quel cas? Quel jeûne par exemple? Ramadan, les autres cas. Al-Nadr et Al-Kafar. Ramadan, jeûne de Ramadan, 9e mois de l'année. Al-Nadr, le vœu, celui qui fait le vœu de jeûner, alors qu'auparavant cela ne lui était pas obligatoire. Et troisièmement, Al-Kafar, l'expiation. Dans certains cas, c'est obligé de jeûner parce qu'il ne peut pas faire les étapes d'avant. Il ne lui reste plus que le jeûne. Il y a le jeûne surrogatoire, comme quel jour? Comme Arafah, pour celui qui n'est pas au Hajj, Ashura, les jours de? Le 13, le 14 et le 15.
6 jours de Shawwal, le lundi et le jeudi. Na'am, tayyib. Ensuite, il y a le jeûne Muharram. Comme quoi? Hein? Al-Idayn. L'Aïd al-Fitr ou al-Adha. Ça, c'est haram de jeûner. Na'am. Tayyib. Il y a un jeûne qui peut être. Il y a des jeûnes qui peuvent être makruh, détestables. Comme quoi? Jeûner le Jumu'ah. Jeûner le samedi. Ça c'est des masail khilafiyya. On a cité un exemple. Clair. Naam. Comment? En voyage. Ça dépend. Il faut préciser des choses. En voyage, mais dans quel? Pour qui? Pour celui qui ne peut pas. Celui qui ne peut pas, ça peut être haram pour lui. Mais il y a un cas, il est makruh. Pour celui pour qui ça va être difficile. يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ. Donc il est en voyage, il peut jeûner, mais ça va être difficile pour lui, vraiment pénible, sans lui nuire vraiment. C'est wadah? Naam. Si ça lui fait un grand mal, c'est haram. Mais si ça lui est très pénible, c'est makruh. C'est détestable. Certains savants ont ajouté la catégorie de mubah. Certains savants ont dit qu'il y a un jeûne qui est mubah. Il est permis. Ni on encourage, ni on dit que c'est détestable. Entre les deux, c'est permis. D'accord? Pour ma part, je ne connais pas d'exemple. Pour ma part, je ne connais pas d'exemple. Certains savants ont cité Yawm al-Shakk. Ida lam yakun as-sama sahwa. D'accord? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité par exemple cela. D'accord? Même si بعض المحققين قالوا ليس الامر كذلك. L'exemple cité, c'est le 29, d'accord, ou bien le 30 de Sha'ban, dans le cas où on n'a pas vu la lune et que le ciel n'est pas dégagé. D'accord. Et yani, par sécurité, certains jeûnent, c'est la vie. Travaillez par exemple de l'Hanabi, là, et d'autres. Certains ont dit que c'est Mubah. Certains ont dit que c'est Mubah. Travaillez. La sagesse de cette parole ne m'apparaît pas de par mon manque de science ou de compréhension. Naam. Le point suivant, mata yajibu wa bima yajibu an nabtadi'a as-sawm. Par quoi ou quand est-ce que nous avons l'obligation de commencer le jeûne? Les savants nous citent le jugement du jeûne de Ramadan et juste après, souvent ils citent quoi? Il cite les signes, d'accord, qui nous rendent obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Quelles sont les choses par lesquelles, on va dire, demain il faut commencer à jeûner? Voilà. Hilal, naam, ru'yatul hilal. Le premier cas, c'est si on voit l'apparition de la nouvelle lune. D'accord? L'apparition du croissant. Car cela annoncerait l'entrée du nouveau mois. Cela annoncerait l'entrée du nouveau mois. Wa hadha bil ijma'. Dans ça, il n'y a pas de divergence. Si on voit la nouvelle lune, on jeûne. Le lendemain, on jeûne. Il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Na'am. فمن راى الهلال شهد الشهر ومن رؤي له الهلال شهد الشهر كما قال الشيخ سليمان الرحيل حفظه الله تعالى. Allah nous dit dans un verset dont la traduction est: celui donc qui témoigne de ce mois, qu'il le jeûne. De quel mois est-ce qu'il s'agit ici? Hein? Ramadan, le mois de Ramadan. Donc soit tu vois toi, soit on la voit pour toi. Soit tu l'as vu toi, soit quelqu'un l'a vu et l'annonce. Dans ces deux cas, tu as témoigné de ce mois. Tu dois donc le jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Soumou li ru'yati wa aftirou li ru'yati. Jeûnez à sa vision, la nouvelle lune, et rompez le jeûne à sa vision, la nouvelle lune. C'est le premier cas.
C'est le premier cas. Quel est le deuxième? Naam. Barakallahu fik. Compléter Sha'ban 30 jours. Donc la lune du doute, on cherche la lune. C'est une sunna, on regarde la lune, on cherche, on voit, si on voit la lune, naam. On n'a pas vu la lune. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On n'a pas vu la lune, toujours pas. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le jour passer. On laisse le prochain jour passer sans le jeûner. Donc on attend que ce dernier jour se complète, ainsi ce mois sera de 30 jours. Arrivé au 30e jour, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On jeûne. Ou djouban, sans aucun doute. Qui nous explique pourquoi? Parce qu'on a complété à 30. Mais il y a une information qu'on a besoin pour réfléchir comme tu as réfléchi. Dont nous avons besoin pour réfléchir comme tu as réfléchi. Une chose qui n'est pas forcément évidente. Naam. Car les mois lunaires sont soit de 29 jours, soit de 30 jours. Il n'y a pas 31 jours ni 28 jours. Donc lorsqu'on a complété le 30e jour, on est sûr de quoi? C'est la fin du mois, donc que le lendemain c'est le premier jour de Ramadan. Et que cette nuit c'est la première nuit de Ramadan. La nuit elle précède le jour. D'accord? Arrivé au Maghrib, tu es la nuit du jour suivant. Si tu es le 28, par exemple, arrivé au Maghrib, tu es la nuit du 29. Arrivé au Fajr, je fais le premier jour du 29. Ah, kada. C'est pour ça qu'on fait Tarawih avant de jeûner. Ça? On fait Tarawih avant de jeûner. Et on arrête à Tarawih pas le jour du Eid. La veille du Eid. Pourquoi? Non. Parce que la nuit, elle précède le jour. C'est clair? Tayyib. Si le ciel est dégagé, si le ciel est dégagé et que nous sommes le jour du doute, que faire? On ne voit pas la lune. Que faire dans ce cas-là? Si on ne voit pas la lune, on ne jeûne pas. On ne voit pas la lune, le lendemain, on ne jeûne pas. On complète cela 30 jours. Ijma'an, il n'y a pas de divergence dans ce cas-là. La divergence, elle est dans quel cas? Si le ciel n'est pas dégagé. Si le ciel n'est pas dégagé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si le ciel n'est pas dégagé, on compte